Ouais. Et du coup, on est parti. Le Cloud Grail versus Mef. Mef contre la Bayo de Grail. Mef, ça serait pas Sephiroth? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un Mef. Okay. De toute façon, on va voir le. On va voir dans le bracket, c'est Mef, mais je ne sais pas si c'est un genre sans absolument. Il y avait un Sephiroth, mais je crois qu'il n'a pas passé les deux. Et voilà. Et rip, 1%. Je crois qu'il a pris 1% en étant dans la loupe. Ah, voilà. Donc Grail qui s'amuse. Ça, hop. Ah, il se fait troll par le stage, parfait. Je crois que c'est plutôt le fait qu'il a atterri sur la plateforme. Dans tous les cas, il aurait pas pu follow up. Parce que, ayant fait un spécial de Bayonetta, il avait du lag à l'atterrissage. C'est vrai. Ah, boum, boum. Mef qui se prend les side B, on n'a plus trop le droit de se prendre les side B de Bayonetta. Plus trop le droit, je sais pas. Non, c'est, bah, c'est... On aimerait bien. Le dive kick, ok. Le side B au sol, c'est quand même un coup. C'est le side B de Falcon, quoi. Sauf qu'il s'arrête pas. On va dire c'est plus le Falcon Kick. C'est un mélange de Falcon Kick et de B-side de Mars. Si tu le gardes, il y a toujours moyen qu'il t'arnaque en mettant un deuxième coup en temporisant. Voilà. Oh la vache. Hop là, ça y est, ça c'est fait. Grail, il a une famille. Et du coup, gros avantage. Mef, il va falloir qu'il trouve quelque chose à faire vite fait. Voilà, j'ai un ultra l'air, voilà. Mef qui... Trouve des UR. Les dive kicks qui ouvrent complètement Mef à chaque fois. Là, ça fait deux fois qu'il a perdu des stocks simplement à cause de ça. Troisième fois peut-être. Oh la vache. Ah non. Non, il avait déjà fait ses deux B-side. Ouais. C'est ça. Il avait plus assez d'options, le pauvre. Ah, Gen KO, Koeru, c'est parti. Les limites sont faites pour être Koeru. Bah, il a bien besoin de les Koeru, mais genre vite fait parce qu'avec deux stocks en échelle de retard. Il aurait pu bourrer le finishing touch sur le side B là. Oh lolololo, il en a rien à foutre. Il bourre du side smash sur le side B. B, B side, double saut, B, U, R. Et voilà, 3 stocks autoritaires. Mef qui ne joue pas du tout le match-up. Surtout Mef qui s'est fait avoir par le match-up, hein, qui s'est laissé ouvert à des moments cruciaux sur des dive kicks. Et là, oui. Ça a été à la base une bonne ride de Grail qui allait chercher Mef tout en haut avec un double saut. Non, juste un grand jump B-up ou un truc comme ça, en tout cas un B-up. Oui. Donc clairement pas une option au hasard, il savait que le mec était au-dessus de lui, dans cet endroit particulier du stage, bien haut, t'as envie de revenir on stage sans passer par l'edge, mais il faut payer l'impôt quand tu passes par là, et là c'était un stop entier. Du coup Mef qui reste sur Cloud, pas de counter-pick autre que le stage, qui se dit ok, de toute manière, visiblement c'était très douloureux, j'ai besoin de m'adapter. Oh là, ok. Petit bat within tranquille. Le petit dodge frame 1, rien à foutre. C'est ça. Voilà. Le chien qui troll. Ah la Mef qui fait un meilleur départ que. Oh là là, mais il se fait avoir. Voilà, c'est bien, mais c'est pas fini, c'est dommage. Au moins, il y a effectivement une adaptation nécessaire. Bon, là, il va se prendre la face, mais l'arbre qui va peut-être venir le sauver. Merci, l'arbre de Duck Hunt. Oh, et ça. Ça aurait pu, mais c'est pas. Allez, est-ce qu'il va pouvoir Koeru les Genka? Pour l'instant, il n'y a pas eu une complétion très, très satisfaisante. Sur les limites de Mef. On va voir, peut-être qu'il veut juste le garder pour bénéficier de la mobilité supérieure que Cloud obtient en faisant ça. Joli dash attaque. Effectivement, à 5%, un back air, ou un. Non, peut-être pas un UR depuis le nerf, pourrait kill. Un smash bien chargé, mais ça tue pas parce que c'est au bout du terrain et que ça a été nerf. Mef qui commence à. Il tire parti du fait que le stage est plus grand et il dit à Grail, bah vas-y, approche-moi quoi. Genre ça m'a saoulé, je vais rester là à charger ma limite, approche avec tes B-sides, là il est puni cette fois. Voilà, c'est ça. Donc, par contre, niveau utilisation des limites, ça pourrait être un peu plus opti. Ah clairement. Ah, par contre là il se fait juggle par Grail. Voilà, le saut qui est. Alors il a réussi à dodge le neutral air de Bayonetta. Cloud triste, ah oui, Grail qui. Oh, tentative de salissage de Reco. En même temps, sur un perso qui a une Reco aussi fragile que celle de Cloud, pourquoi se priver quoi. Ouais, aïe, c'est la galère, ouais. Voilà. Oh, dommage. Oh, la tristesse. Dommage. Ça fait cling, pile. Est-ce qu'il a un wall jump, Cloud? Je crois que oui. Il me semble que oui, hein. Dommage. Mais quoi qu'il en soit, il a atteint le mur au moment où sa limite se remplissait et au moment où il mourait. Donc c'était un. Oh là. Ok. Mais après, on va au stage, puis double saut, mais non, pas le witch time, ok. Cloud qui a pris l'edge. Ah voilà. Bien. Donc Koeru, les Genka. Voilà, petit upper dans le upper. Voilà, dans le trop qui ne sert à rien parce qu'il y a trop de pourcent.
La dash attack de Cloud qui passe dans le bas de cuisine. Voilà, le donner, c'est très bien. La hitbox du donner de Cloud qui est toujours aussi gigantesque. Voilà, Greg qui fait ses petits combos, ses petits trucs. Et ça passe. Là, MF qui n'a pas fait gaffe, il avait été très vigilant sur le premier stock. Là, il manque un petit peu de ce côté. Voilà, c'est ça. Il faut plus de upper, hein, vraiment. Il faut des coups safe. Lancer des dash attack comme ça dans le neutral, ça risque de lui coûter bon. Voilà, le side B de Bayonetta, je le répète, hein, c'est pas safe. Se faire avoir par ça, ça fait 2 mois que le perso est sorti, il est temps d'arrêter. Voilà, hein, parce que c'est pas rigolo. Si ton FB est punissable, ah, encore un Einstein raté. Voilà. Ah, joli, ça lit la tech roll. C'est bien joué, ouais, voilà, c'est couverture. Oh là là. Oh là là. Caca, non, c'est bon, pas 7%. Alors je pense qu'il est resté à ce point-là dans le combo à cause du fait qu'il était en limite. Ça le rend un petit peu plus face voleur. Ouais. Ah, le canard qui sauve Mef. Mais c'est peut-être grâce à ça qu'il a sauvé. Tout à fait. Ah, voilà, le donner. Ouais. Sweet, enfin pas sweet spot, justement sour spot mais frais. Enfin c'est le sweet spot du sour spot qui tue Bayonetta à 95% vers le haut. Voilà, parfait. Vraiment camper l'arbre, je pense que c'est la meilleure chose que Mef puisse faire. Donc ça, je pense que c'est aussi la meilleure chose que voilà Greg pourrait faire. Oh là là, Wichem qui était un petit peu stale, il me semble. Oui, je pense aussi. Ça a pas duré bien longtemps. Ah, c'est ça de le bourrer. Hein. Mef qui punit pas les erreurs de spacing de Greg. Ah. Oh là 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 là. Prochain match, on va faire du premier. Oh, ça va pas tuer. C'est compliqué, hein. Très compliqué. Oh, voilà, il arrive à passer derrière. Ça, c'est spot dodge. Ouais, c'était non, absolument nécessaire. Ça aurait été l'autre côté. Le F3 qui tue pas. Voilà, parfait. Mef qui a réussi à placer un upper. Il en faut plus de upper. Vraiment, ce coup, même nerfé à Van. Ce coup même nerfé, ça reste le meilleur coup de Cloud. Tout à fait, c'est le starter, le finisher, c'est le combo, le beginning and the end. C'est ça.